reborn. Chaos reborn. Wow! Bonjour les reborn! Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire! Ah! Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour de la thune? Serez-vous prêt à faire le fou? Comme ce que nous allons voir ici. Vraiment, c'est étonnant. Venez. Allons voir ça. Venez à l'église, Pascal! Ça! Wouh! C'est extraordinaire! Est-ce que vous vous en rendez compte? On nous dit que cette personne qui est ici est tentée de faire la folle parce que elle cherche à faire son rituel. Elle a besoin d'attraper, genre, des enfants pour son rituel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qui sait? Mais ça a été filmé. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est pas de la blague. Regardez ça. Il lui dit genre, regarde la caméra quoi. Et il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? On voit la fin, genre la foi quoi. Ça c'est sans quelle ethnie. Si vous comprenez, faites attention aux commentaires pour nous. Vous voyez, elle a un sac même juste à côté. Vous voyez le sac. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mais comment peux-tu venir faire la folle? Regarde comment elle répond bien aux questions. Donc t'es pas une folle, hein? Donc t'es pas une folle. Tu rigoles un loup ou quoi? Hein? Mais regardez vous-même. C'est mon number. C'est quand d'avoir foyer qui est le mobiter ou quoi? Quand d'avoir foyer? Laisse mobiter ou quoi? T'as nous là, y'en est-ce? Et bien nous sommes, t'as nous là, y'en est-ce? Et dans où? T'as nous là, y'en est-ce? T'as essayé? Aussi? Vous montez à quoi là, y'en est-ce? Tu l'as là, là, elle va déballer le sac, on va créer dedans. Qu'est-ce qui se trouve?
On voit des comprimés, de l'eau. Maman, de l'argent. Maman, c'est compliqué le monde. Regardez tout ce qui est dans la ville. Il y a des pieds de l'eau, des coquillettes. Quelque chose à ce stade. Vraiment, ça me fait vraiment beaucoup de peine, mais vous savez, les sorciers, quand vous avez pitié d'eux, ça les font plus de sorcellerie. Maintenant, est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez que quelqu'un peut faire le fou juste parce que son futur lui a demandé de le faire? En tout cas, j'ai regardé plusieurs films qui montrent que c'est vrai. Et j'ai aussi entendu un ex sataniste qui a expliqué ça un jour. Il a dit qu'il était dans le même monde des sorciers avec un homme riche. Et cet homme riche a commis une bêtise un jour. Il a fait quelque chose, ça n'a pas plu au diable, le diable a sanctionné. Le diable lui a dit, le matin, tu vas paraître comme un riche devant les gens, mais la nuit, tu vas devenir fou. Et tu dois aller faire le fou sous le pont. C'est-à-dire que la nuit, hein, quand vous le voyez, il est bien habillé. Il participe même au conseil des ministres. C'est-à-dire le jour, c'est comme ça, il paraît très bien habillé, bien cravaté, mais la nuit, il est obligé de s'habiller comme un fou, comme ça. Juste parce que le diable a demandé de le faire. Il le fait, il se met sur un pont et puis il demande souvent de l'argent aux gens. Quand il vous demande de l'argent, quand vous lui donnez petit, là, il vous insulte. Quand vous lui donnez un gros bien, il prend votre argent, il va dans le monde des ténèbres là-bas. Mon Dieu. Et c'était devenu ça son job. C'était le job que le diable lui avait confié. Et quand vous allez le reconnaître, vous allez dire, mais ah, toi, tu es riche comme ça. Comment est-ce que tu peux, comment est-ce que tu viens encore ici pour faire le fou, pour mendier encore. Et ça va vous étonner, vous allez dire, mais comment toi, tu es riche déjà? Pourquoi viens-tu mendier encore? Pourquoi t'habites-tu sale comme ça? Et tu viens mendier encore? Pourquoi? Ça va vous étonner, ça va vous sembler bizarre. Mais ce sont les ordres. Ce sont les ordres de Satan qu'il est en train de respecter ici, comme ça. C'est étrange. Mais c'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Ça veut dire que toutes les personnes que vous voyez dans la rue,
qui jouent aux folles, ces personnes. C'est pas toutes ces personnes qui sont réellement folles. Il y a des satanistes aussi là-dedans qui font la fou. Parce que le diable leur a demandé de le faire pour un but. On peut leur dire que bon, si vous voulez devenir riche, vous devez dormir dans la rue et puis faire le fou pendant 7 à 10 jours. Et ces gens-là doivent respecter ça. Juste à cause de l'argent. Waouh. Ce sont les voies. Ils ont accepté ce chemin-là. Vous, si vous travaillez dur pour voir ce que vous voulez, vous avez fait votre choix. Vous avez choisi votre chemin. Mais ce chemin-là existe. Et beaucoup de personnes sont en train de l'emprunter. Vraiment, c'est du sale. Moi, je ne vous recommande pas cela. Vous-même, regardez. Est-ce que c'est beau à voir? Wow, merci les frères de regarder cette vidéo, c'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir Union Scrubbon, dans la description se trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Union Scrubbon 3. Application Scrubbon, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Union Scrubbon 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.